José Vasquez, professeur à l'Université de musique de Vienne et violiste, sillonne l'Europe avec sa collection exceptionnelle. Il s'est arrêté à Noirlac avec une partie de ses viols et violons, tous restaurés dans des conditions originales, une collection vivante et sonore qu'il tient à partager. C'est pas seulement des caisses de bois dans une vitrine, comme par tous les musées des instruments musicaux du monde. Il s'agit d'un patrimoine sonore qu'on peut valoriser acoustiquement. Et c'est une chose pour tous. Les musiciens gagnent qui ont l'opportunité de travailler avec des instruments de haute qualité. Le public gagne parce qu'il peut écouter ce patrimoine qui appartient à nous tous et pas seulement au musée. Pour ce luthier venu spécialement de Bourgogne, l'occasion est unique. Il a pu toucher, mesurer et entendre ces instruments tricentenaires, dialoguer avec leurs musiciens propriétaires. Il tentera de s'en inspirer pour réaliser des copies. Autant de facilité pour les avoir, les toucher, les regarder, non, ça n'existe pas. Hein. À chaque fois, il faut passer par une administration, un musée, c'est de l'administration, c'est de la paperasse. Et on n'est pas aussi libre que là. Là, ça reste exceptionnel, c'est sûr. Cette exposition n'est pas réservée qu'aux initiés, et c'est José Vasquez lui-même qui sera le guide pour une visite musicale du 5 au 7 juillet. Il sera également en concert dans le Cher ces soirs-là. Répertoire baroque, évidemment.